Hello tout le monde, c'est Italo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 26 de notre Let's Play sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play le piraterie. On se retrouve sur une île déserte quelques mois plus tard, après avoir retrouvé l'homme que l'on cherchait depuis plusieurs épisodes. Incroyable, on a réussi à retrouver cet homme qui sait où se trouve le sanctuaire. Pas le sanctuaire, mais l'observatoire, les gars. Et ça, je vous dis que ça déconne plus. Merci, pourquoi tu ne voulais pas te mettre? Tu essayes de m'en contrarier, c'est ça? Voilà, il a voulu me contrarier, les gars. Ça ne va plus. Mais en tout cas, les amis, on se retrouve donc sur cette petite île où il y a un petit secret maya qu'on découvre tranquillement dans ce début d'épisode. Et les amis, j'ai pris une décision. Quelle décision je vais prendre? Simplement, ça concerne le 100% du let's play. Alors, vous avez vu que souvent, entre les épisodes, je clear les zones. On est allé. Je n'aurais jamais dû descendre. Je regrette si fort. Je clear les zones en mer. Pour pas que vous ayez à subir ça, tu vois, pour pas que ça ne prenne du temps pour les épisodes et tout et tout. C'est pour ça que. Et je vous ai toujours montré ce qui se passait sur les îles. C'est pour ça que j'ai décidé, en mon humble conscience, comment ça s'appelle, de faire un épisode de 2 à 3 heures. L'épisode va vraiment durer 2 à 3 heures. Mais dans lequel je ferai tout ce qu'on n'a pas fait sur les îles. Donc découvrir les points d'observation, faire les quêtes d'assassinat et tout. Comme ça vous aurez la preuve que j'aurai fait à 100%. Et comme ça vous aurez quelques solutions si jamais vous en cherchez. Hein. Mettez là par hasard à chercher des solutions sur Let's Play en mourir d'un jeu, et ben voilà, vous aurez tout, on trouvera les cartes de trésor pendant ces 2-3 heures d'annexe, et ça sera vraiment un épisode où on fera que de l'annexe. Et cet épisode se sortira le même jour qu'un autre épisode où on fera de l'histoire, et où on aura quasiment fini Let's Play, parce que là, je vous préviens que Let's Play arrive très vite à sa fin, les amis, c'est assez hallucinant. Bon, je ne peux pas retourner en haut. Y a pas volonté de me faire retourner en haut, les gars. Donc ouais, c'est un petit lieu, mais quand même y a la Stèle Maya que j'aimerais bien voir découvrir. Du coup là, donc je vous propose ça, les amis, dites-moi dans les commentaires si ça vous va. Et surtout, j'en profite en ce début de vidéo de vous demander de laisser un maximum de pouces bleus pour me montrer que vous êtes toujours derrière moi, à me soutenir dans ce let's play, que vous êtes toujours hypé par celui-ci. Et surtout le fait que l'on avance très bien dans l'histoire. Alors je me dis, ouais, c'est plus haut. Ils sont bien mignons, mais comment tu fais pour... Ah non, fissure, qui veut dire fissure, veut dire grimper. Ah, je le savais. Voilà, parfait. Genre, tu sais pas pourquoi tu descends, c'est le déluge. C'est vraiment la seconde guerre mondiale. Puis tu montes là, et bien, bizarrement, tout devient anormal. C'est parfait. Hop, voilà, regardez. On va pouvoir passer par là. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller par là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller par là? Je pense que oui. Donc voilà les amis, donc aujourd'hui on va faire on va bien évidemment continuer l'histoire. Ça vous en doutez bien. Hop là, parfait. Mais on va d'abord un peu visiter cette île hein, parce qu'on a toujours eu l'habitude de visiter toutes les îles qu'on découvrait. Ok. Et j'aime bien parce qu'il te donne toujours des conseils après au moins 15 heures de let's play. Tout va bien, rien ne va plus les amis. En tout cas j'espère que vous passez mais pour certains de bonnes vacances. Putain, c'est déjà les vacances. Calme les petits potes. Il est censé y avoir quelqu'un là de mort. Ah, peut-être plus bas. Ouais. Et pas peut-être. C'est sûr. Voilà. On découvre un petit secret en plus. Enfin, une petite carte au trésor. Que évidemment, je découvrirai dans cet épisode annexe. Tout c'est chiant à trouver les cartes au trésor. Putain, eh les gars, eh. Tout de suite, moi je te le dis, je vois où c'est. Ah, c'est. Allez, voilà, Inch'Allah. Non mais franchement, toi aussi t'as su où c'était. Enfin, tu l'as vu direct, tu t'es dit voilà. Mais bon, c'est quoi ces tirs de canon là? Est-ce qu'on pourrait en parler s'il vous plaît 3 secondes? Surtout suivi de ces cris, mais pas du tout. Pas du tout engageant. Ah! Oh! Y'en a un qui se bolasse là! Salut! Ah bah! Ah bah, ça a l'air d'aller. Écoutez, moi si ça me fait des petits potes supplémentaires, je prends toujours hein.
Attends, watch out, je ne sais pas comment j'ai fait pour esquiver tout ça. Je t'ai pas respecté, frérot, je suis désolé. J'ai voulu te contrer, au final j'ai tué ton pote à côté de toi. Ah là, ça fait plaisir. Grazie, merci. Je suis à tes ordres. C'est un italien, les gars. Italien. Attends, et j'imagine que la mission principale est sur cette... Pas du tout. Mais pas du tout, elle est plus basse. Bon, là, vous voyez qu'on est en plein milieu d'une zone. 3 étoiles. Ma vie, c'est de la merde, tu vois. Je voulais chercher quelque chose. On se trouve un peu plus haut. Ça s'appelle un point d'observation, s'il vous plaît. Parce que vous êtes bien gentil, les bisounours, là, mais... Là, je peux pas... Ah oui, là, je peux grimper. Je sais. Tu veux même faire quelque chose, s'il te plaît? Ah, ouais. Vas-y, mais... Parfois je comprends pas les lieux où on c'était. C'est que maintenant que je remets en question le let's play, certes, mais... On va monter sur ça. Attends, j'ai l'air con parce que je cherche quelque chose pour avoir un point d'observation. Mais je n'ai pas ce point d'observation. Ce qui reste plutôt ballot. Italo il réfléchit là. Quand Italo réfléchit, les gars, rien ne va plus. Tellement réfléchi qu'Edward il a décidé de se suicider. Attends, mais en fait c'est que je ne vois même pas. Je ne vois même pas où on peut fuir, où on peut. Un spot. Ah non, hein. Mais. Ah. Ah oui, c'était haut quand même. Ouais. Ouais, on va essayer d'y accéder quand même. Mais C'est pas de l'escalade pour débutants tout ça. Hop là, alors. Est-ce que là je peux en direct monter? Oui. Je sais pas pourquoi, parfois ça veut pas. Mais bon, tant mieux si ça veut, hein. Bon, je demande que ça. Par contre, la petite musique, ça me fait penser un peu à un air de The Last of Us, je sais pas pourquoi. C'est bon, j'ai ça en tête. Ouais. On va monter jusque là. Voilà. On y est, tout va bien. On ne panique pas en tout cas. Au final, l'observatoire n'était pas un mythe, les amis. L'observatoire n'était clairement pas un mythe et on va pouvoir le découvrir. J'ai tellement hâte de découvrir ce magnifique petit observatoire qui est un peu l'intrigue du jeu, hein, parce que le but c'est de le trouver, enfin de faire en sorte que les Templiers n'y accèdent pas, quoi. En synchronisation avec tous les tirs de canon qu'il y a en dessous, ça fait plaisir. Alors, bon, là on voit bien que c'est une île marquée par les Mayas. Bah, c'est pas dans la déco, hein. Moi je vous le dis, moi j'ai fait bac plus 8 en histoire. La deuxième stèle Maya, du coup, elle est où? Elle est plus loin vers là-bas. On pouvait s'en douter, je pense. Flélo. Moi, ouais, je vais partir par là. Et me suis cassé les quatre jambes. Mais tout va bien. Je me suis cassé les 8 jambes. Mais tout va bien. On survit, les amis, comme on peut. C'est parfait. Hop. On va récupérer une petite chest. Faites voir. Ah, il y a moyen qu'on fasse tout. Il est en bas. Bah oui, on le voyait. J'ai été de mauvaise foi, les amis, car on le voyait. Hop là. Parfait, donc déjà tu vois 6 sur 6 coffres, ça fait plaisir. Hop là. Putain, j'aime bien me casser les rotules, hein. C'est une passion, écoute. Chacun son truc, moi c'est de me casser les rotules. Alors. Oula. Attends. J'ai. Mais What the fuck. Ah là c'est bien. Hop là. Oh, ça gratouille. Je me gratouille le flanc. Le flanc droit. Et ça fait du pire. Hop là. Voilà, donc deuxième truc Maya découvert. Ça fait plaisir de cette île. Je sais pas combien il nous en reste à découvrir en tout. Mais on avance bien. Une pierre de plus, parfait. Du coup il ne reste plus qu'un fragment d'animus avec un secret dans cette île. En plus il se trouve à côté. Mais si c'est pas beau ça, c'est le fragment d'animus qu'on a vu tout à l'heure. Donc franchement, allons-y. Moi je veux bien. Hop là. Un petit doigt. Je toque le saut de la mort. Parce qu'on vient d'assez haut quand même. Salut les gars. Donc okay, on va faire ça. On a pas peur nous. Oh, pas peur là. Voilà, petit haut, fais ça. Tac, on va longer le rivage. On va remonter. Pour la quatrième fois. Qu'on se le dise.
qu'on se le dise, les amis. Merci. Hein. Oui. Arrête d'être bête, s'il te plaît. Arrête d'être stupide, toi. Hop. En fait, indirectement, vous dites que je parle au personnage et là, vous dites forcément dans votre tête. Mais Talou, il t'entend pas, pourquoi tu lui parles? Non, mais les gars, quand je dis ça, je parle à moi en fait. Qu'est-ce qu'on m'a pas teubé? Ah, ça fait longtemps qu'on a pas trouvé une petite bouteille. Avec un papier à l'intérieur. C'est pas beau ça. Comment s'en est battu les couilles? Super. Je m'en fais les couilles. Voilà, mystérieux ça. Fait. C'est bon. On a conclu cette île. Cette île mystérieuse. Est-ce que mystérieux ça? Zone interdite? Oh, c'est mon bateau, frérot. Comme de pas non plus. Pas lui. Pas lui à dévoiler. Oh putain! Eh, mais plus jamais vous criez comme ça, les gars. Sinon, je vous défonce. Alors! Comment on fait pour partir? Faudrait que je longe l'île. Eh, hey, c'est marrant ça. C'est quoi ça? C'était quoi? Des capucins, oui, non, ça c'est bon. On s'en fout. Ouais! Ok, ça me bat. Allez, eh ben allons-y. Allons-y, let's go, c'est parti, les amis. Voilà, on va faire un petit drift. Alors prouvez-le-moi. Ouais, prouvez-le. Je sais pas quoi. Ah putain, il faut le vouloir hein, pour passer dans ces eaux-là. À tout moment, t'as un gaillon, c'est fini, mon gars. Rocher. Attention, drift, dérapage contrôlé. Et on dégage. On dégage, on va faire la mission principale, les amis. On essaiera de retourner sur des zones qu'on connaît un peu déjà pour déverrouiller les. Enfin, surtout pour améliorer notre bateau, parce que je pense qu'on peut bien améliorer notre bateau. Parce que je vois qu'on a 18 000 reales. J'ai le métal pour faire quelque chose de beau. Les gars, vous chantez trop fort. Et sûrement très faux. Et surtout, j'ai. Oh, à niveau amélioration, on peut en faire des belles là. Il y a grave moyen qu'on fasse quelque chose de très très beau. C'est bizarre ce brume. J'ai vu un coffre, j'ai commencé à me diriger. Je me suis dit, attends, je fais de l'annexe de mon côté. Mais non, pas du tout. On ira le voir plus tard. Voilà. Parfait. En vrai, ici, il y a plein de récifs. C'est un peu chiant. On va se le dire. Bon, j'ai l'impression que les navires légendaires, c'est que dans les maps du haut, quoi. Bon, au moins, ça veut dire qu'il y en a que deux des navires légendaires qu'on peut avoir. Alors, je pense que je vous ferai un épisode spécial pour les navires légendaires. Parce que je pense que ce sont des fights très très longs. Et surtout, j'ai envie que vous le voyez en vidéo, tu vois, comme ça. En mode, ah ouais, putain. Ou soit, attendez, mon idée du début de faire un super long épisode. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Parce que dans ces cas-là, je peux juste faire plein de petits épisodes. Il y en a un où je fais par exemple toutes les îles, il y en a un autre où je fais toutes les cartes au trésor, il y en a un autre où je fais les navires légendaires, il y en a un autre où je fais ta mère en slip, je sais pas. Ou soit, attends, il y en a un épisode où je découvre tout sur les îles, un autre épisode où je fais toutes les quêtes d'assassins, un autre épisode où je fais toutes les cartes au trésor, un autre épisode où je fais les navires légendaires. Et dites-moi les idées, dites-moi des idées en commentaire pour le coup parce que je suis un peu perdu. Je suis un peu paumé dans mes idées. Ok, c'est là-bas. C'est là-bas qui me contrôle, hein. La frégate, princesse. Ouh! Ouh! Le princesse qu'on cherche tant. Voilà, les amis. Allez, c'est parti pour une nouvelle séquence. Séquence numéro 11. Stratagème de Black Bolt. Allez, targuez! Ah, capitaine Kenway. Allons-nous prendre ton vaisseau pour le trajet à venir ou le mien? J'aimerais en savoir plus avant de décider. Ah, c'est une opération fort modeste. Cette fontaine d'informations vient de me révéler qu'un certain galion contient le trésor que je convoite. Dans son intérêt, j'espère qu'il dit vrai. Est-ce que ton plan est sûr? Il l'est. Ce bon capitaine va nous fournir un pavillon portugais qui nous permettra d'approcher de notre cible. Une idée d'une grande simplicité, si tu appliques mes ordres à la lettre. Le jackdaw, alors. Excellent.
bon stratège quand même. Quel est ton plan? Le navire qui commande. Oh, attendez, par contre, je vais voir le chemin. Parce que, okay. Transporte un précieux. Évidemment, il faut vraiment rentrer dans le tas. J'aurais bien voulu améliorer mon bateau d'abord. C'est tout? Je t'ai demandé de suivre mes instructions à la lettre, capitaine. Oh. Je ne t'ai pas offert le loisir de les mettre en vue. Putain, le je veux ces fioles de sang intactes. Il rigole pas. Et si je ne les ai pas, nous nous quitterons en ennemis. Tu as compris? Ah oui, d'accord. Putain. Ah oui, le mec, en fait, il plaisante pas. C'est l'air d'être un bon gaillard, un bon stratège, quelqu'un de très sérieux, mais le gars ne se plaisante surtout pas. J'ai pas envie de l'avoir comme ennemi. Parce que si on l'a comme ennemi, je vous dis pas la merde que ça sera. Du coup, lui, j'ai pas compris si c'est le sage ou non. Je vous avoue, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que lui, c'est le sage. Voilà l'objet de nos désirs, capitaine. Tu vois ce navire? Cette ruse nécessite son pavillon. Si je peux m'emparer de leur pavillon sans me faire remarquer. Oh! Je le ferai. Allez, go. Bénédiction. C'est, en vrai, c'est stylé. On va piquer le pavillon de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on va enlever notre pavillon pirate. On fait une petite nage discrète quand même. Oh, c'est stylé ce qu'on va faire. On va faire du vol sur un bateau directement. Je sais pas si vous en rendez compte. Je pense que là, hop, on fait. Est-ce qu'on peut monter depuis là? Oui, bien sûr. C'est complètement illogique, mais oui. Oh putain! Ah bah je crois que c'est loupé hein. La discrétion, tout ça, tu sais. Non. Bah. Je crois que c'est pas trop mon truc, les amis. Je crois que vous l'avez compris, la discrétion. C'était pas mon fort. Hop. Mais attendez qu'on se débrouille bien en combat. Moi je me dis pourquoi pas. Tu vois, ça s'appelle la disparition. Ça y est. Voilà, en moins. Oh, encore. Ouch, 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 what the fuck? Dude. Ah bah là, oui, là, tu peux paniquer, mon petit pote. Bah... Tu sais, le gars, il a fait... Attends, est-ce qu'il est mort? Il a l'air de marcher, quand même. Allez, c'est parti. Hey dude! Aïe, ah le bâtard. Frère, entre nous. T'as cru que t'allais t'en sortir vivant. Ok, le pavillon est juste en haut. Parfait. En vrai, si on pouvait se débarrasser de tous les navires comme ça. Déjà que je galère à rouler une nappe. En étant sur la terre ferme. Et en ayant le maximum d'espace autour de moi. Comment il a réussi à rouler le pavillon pour le jeter sur le bateau de ses ennemis quoi. C'est un génie. Pour nous Edward il est au-dessus. Il est clairement au-dessus, on va pas se cacher, on va pas se mentir. Yosh. Tu as le pavillon? Aïe, nous l'arborons déjà. Putain. Il fera bien. Ah ouais, ils ont pas eu le temps de niaiser quoi. Plus de toile, défaire le tout. Ah, moi je veux bien. Je vais rester à distance, lent et discret. Aïe. Lent ce et discret. Volé ne nous protégera okay. Pas des regards trop insistants. Ah, moi je veux bien, hein, mais. Je vois, Seigneur. Il peut le considérer que je t'apprêche à faire. N'avez pas chivel. Qu'est-ce qu'il a, pleurniché? Tiens, bien. Il ne pleurniche pas. Il est en extase. Il est en extase, quelqu'un, enfoiré. Mais attends, mais les regards trop insistants, c'est-à-dire si tu fonces dans un bateau, quoi. En somme. Ok, là on arrive tranquillement, on fait des drifts. C'est sympa, eh, une mission d'infiltration en bateau. Plus de toile, des pourquoi pas. Clairement, moi je dis, c'est cool. C'est clairement super beau, par contre, il y a un putain devant, les gars. Oh. On réduit la toile. Droit devant, il décharge quelque chose de ce navire. Oh. Est-ce notre prise? Tu devrais peut-être aller à terre, capitaine Kenway. Trouve le coffre. S'il contient ce que je cherche, rapporte-le. On peut, on a un putain de chien, les gars, en fait. C'est pas possible. C'est rapporte. Allez, vas-y, Kenway. Allez, rapporte. On va essayer de récupérer tout ça.
On va d'abord s'infiltrer juste ici. En fougère, parfait. J'ai bien envie de faire une petite fougère de furie. C'est plutôt sympathique. Oh, oh le nul. Oh le nul. Ah merci, tu ton pote. Je suis un super Saiyan, je suis là pour te tuer. On regarde. Moi j'aime bien regarder. En fait le truc c'est que toi aussi tu deviens en furie. Ah et en fait ça tu t'y attendais pas. Et puis là tu vas le tuer. Tue ton pote. Ah le nul. Et c'est vraiment un gros nul. Oh mais oh, respecte-moi. Merci bien. Viens. Attends, j'ai l'impression que je le perturbe là. Mais arrête de regarder ton pote! The fuck? C'est putain, ils sont bien codés hein, en soi. Alors mec. Mais... Ah non. Ah c'est ballot. Personne t'a vu. C'est triste hein. Je serais vraiment trop triste pour toi. Ils sont combien? Ils sont deux? Ouais, tout pareil. Oh non, je me sens mal, je m'endors. Oh non, je me sens mal, je m'endors. Oh, ça me va. Alors, on a le gros là-bas. Le gros, ça m'intéresse. Hop, il va devenir notre pote. Non, toi, tu te calmes. Non, toi le gros là-bas. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu te calmes. Toi, tu... Ah putain, allez, les gars, il y a 4000 ennemis, j'arrive pas à en avoir un seul. C'est terrible. Écoutez, pendant qu'ils font leur je ne sais pas quoi, on va passer. Vraiment en grosse crête des familles. Quoi? Ah non, ça c'est méchant. Ça c'est méchant quand même. Ah non, j'y étais. Ah, moi j'ai appuyé sur rond, mais. Oh le bruit qui voulait tout dire, c'est vraiment en mode. Splay enfin, en dernier. Ah, je sais pas comment vous expliquer. Tu sais, le sang avec un os qui se craque. Ah, je pense que ça va pas être aussi simple que ça. Et que ça va pas être le bon coffre. Fiole de sang vide. Merde. Faire quoi? Suivez le navire, ok. Attends. Ah ok, parfait. Le Jack Duke qui arrive tranquille au bilou. Je me tire mon gars. Voilà, allez. Oubliez-moi. Je ne suis pas là. Oh un petit dauphin! Un petit dauphin! Allez, ressens encore! Il y avait un petit dauphin les gars! C'est trop bien! Toujours stylé. Bon, en tout cas, on a eu nos petites fioles. On va continuer à avancer pour en obtenir d'autres, parce que forcément, un petit paquet, ça. Les coffres qu'ils ont portés à terre étaient remplis de fioles vides. Ouais, c'est ça. Ça va pas être aussi simple que ça. Je pense qu'il y aura plusieurs. Il ne présentait plus d'utilité. Ah. Où est-il? On va visiter plusieurs îles. Dort profondément sur un lit. Oh, ils l'ont tué. Combien faudra-t-il encore tuer pour cette prise? Tous ceux qui se mettront sur notre chemin. Oh, frérot, entre nous. T'as tué des gens là pour récupérer le petit coffre, mais bon. Oh, moi je suis pas là pour juger, je suis pas là pour dire les choses. 10 minutes, Harris des Lumières. En vrai, ça se voit des kilomètres, on va être pire après. Ouais. Attends, on va t'affûter comme ça. Ensuite, hop, on retourne de ce côté. Très bien. Ok, voilà. Plus de toile, défaire le tout. C'est terrible. Il y a beaucoup trop de bateaux. 10 minutes, Harris les lumières. Ouh, ça. Je ne sais pas comment un bateau peut tourner comme ça, mais ça fonctionne. Tom. Ah, pareil. Il y a l'air de descendre. Notre trésor doit être à bord de ce galion. Prenons-le. Ça nous fera gagner du temps. Ok. Ouais, je suis de ton avis. Ok, ok. On va approcher le Jack d'or, mais ces vigies vont nous poser problème. Tu as raison, Andy. Eh ben, c'est parti. Je vais m'en occuper.
C'est parti, c'est parti, c'est parti. Petite mission d'infiltration encore. Ça fait plaisir. Gentil, ils vont à un bateau. Accélérer, s'arrêter, accélérer, s'arrêter. Tu sais, le suivre vraiment à la trace, ils se disent rien. Ça, ça me fait tellement rire. Sur le truc. Bon, ça, c'est ballot quand même. S'ils arrivent à me repérer. Alors, c'est à ce moment-là où en fait je peux tout vous expliquer. Nager avec les dauphins. Nager avec les portugais. Attends, non. Ah, je suis désolé. Mais bon, il devait arriver ce qui arrive. Aïe, on me suit plus là. Désarmé 5 ennemis. J'ai désarmé des gens. Attention, bombe. Ah, non, pardon. Parfait. Parfait. Oh non, on va reprendre les guns, mon gars. Attends, j'ai un couteau de lancer. On va utiliser le couteau de lancer. Hein, quoi? Comment je fais, pote? Lancer couteau. Zblé. Oh. Non. Il a poussé. Il a fait des gages. Énorme. Énorme pour moi. Énorme ici. Hop, un en moins. La gage sonne vraiment. Putain, il me déconne, mec. Je merde. Voilà, bam. Je suis désolé, j'ai merdé deux fois. J'ai lancé tout mon fumigène, c'est pas grave. C'est pas un problème. Écoutez les amis, comment on a commencé avec du combat, tu vois? Ah merde. Je suis désolé en fait, je voulais pas. Non parce que... J'ai oublié de vous dire, mais... Zblé. Oh, c'était trop beau. Zblé. Aïe. Zblé. Je ne vois plus rien. Il faut que je me guide de mes sens. Ah bah ça a bien fonctionné. Moi, ça me va. Oh, il reste encore des gens. Excusez-moi, je recharge encore mes munitions. Parce que voilà. Là, on peut dire. Zblé. C'est tellement cheaté. Zblé. Zblé. Merci. Oui, nos armes sont tellement bien. Parfait. Ah. Vous avez contrôle du navire. Ok, ça me va. Ah non. Je crie, est-ce qu'on est à la tête? Je fais. Ah mon dieu. On est quand même. Ouais, on est riche. Ouais, on s'est fait des pupettes au là, ouais. Sûrement c'était aussi facile de se faire l'argent là, vas-y. Vas-y, tiens-toi vraiment au bout du bout. C'est moi. Moi la vie d'assassin, tout ça. Non. Aïe. Hop, ça dégage. Moi, il y a juste le sniper derrière. Je vais m'en supporter très fortement. Voilà. Ça dégage. Ça, tu m'en facilement. Toi aussi. Alors lui, on lui a mis la tarte de sa vie. Il était pas prêt. Je vais recharger. Et on va le... Ah non. Aïe, c'est pas grave. Je survis. Aïe. Nous sommes repérés. Ils auront mis le temps. Tous à vos postes, barrez les canons. Tous à la tâche. On attend tes ordres, capitaine. Fais-nous voir comment rugit cette bête. Oh les amis, on a pris possession du méga navire de la mort qui tue. Oh lolo. Oh. Wacha, ça promet de faire mal. En plus, deux mortiers. Aïe, ça dégage. Zbré. Wacha. Oh, c'est si beau. Ah, moi, ça me plaît, ça. Ah, ce genre de combat où on peut prendre le contrôle d'autres navires. Ça, c'est génial. Oh là là. Mais les amis, mais. C'est même plus drôle. Regardez.
Et dire qu'un jour notre Jack Do arrivera à ce niveau-là. Moi juste ça, ça m'éclate. Oh, des beaux morceaux là-bas. Attendez. Ah putain, on est trop. On doit aller où? Ah, on doit aller là-bas. Fuyez avec le navire amiral. Ah, c'est Jack Do. Du coup, là, on a tout le trésor intérieur. Bon, ça, c'est parfait. Ah bon? T'es sûr que tu veux tirer en premier? Wacha! Mon dieu, mais. C'est même plus drôle! En plus, mais on prend que coup de dégâts! C'est incroyable! C'est juste incroyable! Mais les gars, mais. S'il vous plaît, déconnez pas! Oh mon dieu! Attention! Oh là 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 là! Ça a plus aucun sens! Ça a clairement plus aucun sens! Voilà, ça dégage! Ah! Y'a d'autres monsieur qui veulent se fouter! Viens te fouter, frère! Hop là, allez! Par contre, on va bien me casser. Et on prend cher quand même, hein! On prend des dégâts, capitaine! Ouais, on prend quand même assez cher. On va mettre une petite marine. Oh putain! C'est des canons qu'il y a derrière! Oh, mais c'est incroyable! Je savais pas qu'on pouvait mettre des canons à l'arrière du navire! C'est génial! C'est beaucoup trop bien! Ah, mais c'est bon, on craint plus rien. Ah là, parfait, allez, on se casse! Je tire, par contre, il est très très lent. Ce petit bateau est très 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 lent. C'est quoi ça? C'est quoi ces insectes? C'est quoi ces moucherons, les gars? Qu'on se dise devenir anonyme. D'accord, bon, ça va. Si on veut devenir anonyme et qu'on peut utiliser encore plus ce bateau. Regardez-moi ça. Et ça n'a clairement plus de sens. Oh. Ah, ça dégage. Il coule. C'est vraiment le gros boulot, c'est que il coule. Et voilà, ça dégage. Ah, c'est bon. Je peux interagir maintenant. Hop. Voilà. Allez, on va prendre ce vent. Voilà ma prise. Ah, les Templiers n'ont pas chômé, on dirait. Le sang de Lorraine Springs. Désormais inutile. Woods Rogers, Ben Orney Gold, jusqu'à Torres lui-même. En petite quantité conservée dans un but bien précis. Tu vas me conduire à l'observatoire, Robert. Je dois savoir ce que c'est. Pourquoi faire, hein? Tu comptes le vendre sous mon nez? Ou œuvrer avec moi afin d'accroître nos gains? Tout, pourvu que ça serve mes intérêts. C'est si dérisoire. Que la vie soit aussi joyeuse que courte, telle est ma devise. Voilà tout l'optimisme qui m'habite. Très bien, capitaine Kenway. Je t'accorde ton souhait. On lui a fait le regard d'un mort qui tue, il était pas prêt. Mais en tout cas, les amis, on a réussi à avoir le magnifique Man of War. Donc, qu'on voulait depuis très très longtemps. On a réussi à retrouver la princesse et tout et tout. Et c'est sur ça, les amis, je pense qu'on va se laisser. J'espère qu'en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Si n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu qui fait plaisir, à partager la vidéo et à la commenter. Et puis, les amis, on se dit à la prochaine, dans un prochain épisode, dans une prochaine aventure, dans un prochaine vidéo. Dans un prochain épisode, bah, vous connaissez la chanson. Ciao tout le monde, c'était. Bon, c'était Italo. Bye bye. Hey l'ami, on dirait que la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, tu peux cliquer sur le petit pouce bleu. Sinon, tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant juste là, ou encore regarder la suite de l'SP en cliquant juste ici. Ou bien découvrir une nouvelle vidéo en cliquant sur la vignette à droite. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine.